Et salut à tous, et comme vous avez pu le constater, je fais ça à la suite de la collection PS4. On va faire la collection Xbox One. La Xbox One, c'est quand même une console qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à mon frère. Mais comme je joue aussi sur cette console, il y a des jeux que j'ai. Je peux plus vous dire les prix qui sont plus corrects, vu que j'ai des réductions au Game Cash. J'ai pas tous mes jeux au Game Cash. Donc voilà. Elle est un peu plus grosse que la PS4, parce que je l'ai eue avant. Elle est comme ça, la collection Xbox One. Donc, on va commencer. Je n'ai pas le jeu dedans, c'est-à-dire que. Voilà. Far Cry 4, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai sur Xbox 360. De toute façon, à mon avis, vous aurez le playthrough sur Xbox One. J'espère. J'espère que. Parce que ça va être difficile de faire des continues de gameplay sur Xbox One. Donc voilà, Far Cry 4. J'ai bien aimé Far Cry 3, on verra ce qu'il donne Far Cry 4. La collection Master Shift, la Master Shift Collection, regroupant Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Il y avait la bêta d'Halo 5, mais vu qu'Halo 5 est sorti. Il y a le Halo ODST, je crois que vu qu'on a ça, on a une réduction sur Halo ODST, je ne sais plus combien il coûte. Enfin bon, bref, c'est pas le meilleur des Halo, je vais le tester, c'est pas vraiment le meilleur. En fait, dans cette collection, vous avez le Halo 2 qui est remasterisé, avec un remake, car remake c'est plus remasterisé. Meilleur graphisme, les cinématiques sont époustouflantes, c'est vrai. Halo 1 Anniversary, Halo 3 n'a pas vraiment changé, Halo 4 non plus. Donc voilà. Achetez-le si vous avez une Xbox One. C'est le jeu indispensable de la Xbox One. Weeping, l'édition illimitée. Limitée. Le jeu n'est pas dedans. Il est sûrement en dessous dans la pile. Qu'est-ce que vous avez? En fait, on a un petit bouquin. Un machin en carton. Et le petit truc en relief ici, mais on ne voit pas à l'écran. Très très bon jeu. Très bon jeu, je vous le conseille. Toi, ton pain en veille. Ça, c'est un jeu que j'ai eu pour quasiment rien. Evolve, il se joue qu'en ligne, mais là, je vois qu'on peut jouer en. Pas en ligne. C'est Evolve. Donc, voilà. Faudra me dire s'il est bien ou pas. Pour moi, il ne tente pas. En fait, c'est parce qu'il disait qu'il c'était par les créateurs de Left 4 Dead, ou alors il y avait un truc avec Left 4 Dead, et c'est pour ça que ça m'avait attiré. J'avais testé la bêta sur Steam. En fait, on me l'avait envoyé, parce que j'avais quand même beaucoup de jeux Steam, alors on me l'avait envoyé. J'avais pas vraiment. Bon, c'était la bêta. Je trouvais ça quand même bizarre. Quand même, au prix, c'était quand même 70 euros au départ. C'était quand même bizarre, un jeu comme ça, aussi pauvre. BF3. Hein. Donc, BF3. Battlefront 3. Schenker. Donc, voilà. On a ensuite le collector d'Assassin's Creed Syndicate. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord faire les autres avant de faire celui-ci. En fait, c'est le collector, c'est un collector, c'est le Rogue Edition. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. Voilà. Tata, ça c'est comme ça. On a le jeu. On a le jeu Assassin's Creed Syndicate. Bon, on a ici un abonnement de 3 mois qui est utilisé. Une carte en un carton, je crois qu'il y avait autre chose, un CD audio et un artbook. Ça, c'est bon, c'est des petits collecteurs, je sais, il y en a ceux qui râlent. J'aime bien ces petits collecteurs où tu payes pas une statuette qui ne vaut pas le coup et qui est en papier mâché. Donc, je préfère avoir des petits goodies de bonne qualité qu'un gros goodies de mauvaise qualité. Schlenk, Destiny. Voilà, Destiny, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est un jeu. En fait, c'est les anciens de chez Halo, ancienne boîte Bungie, qui faisait les Halo, qui est allé chez Activision et qui a essayé de faire un clone d'Halo.
Qu'on veuille ou non, c'est vrai qu'il est bien, mais il y a beaucoup de points négatifs. Les chargements. Le non-gameplay, parce que ça ressemble plus à un Call of qu'autre chose. Et l'écran et les événements qui sont répétitifs et voire limités. Donc voilà. Un jeu que je voudrais bien faire, mais putain, je me dis, j'ai jamais eu le temps de le faire. Et putain, si je me trouve sur les passages, je le fais direct. Je l'achète direct. Je l'avais acheté 40 balles, c'est quand même fou. Et en plus, il n'y a plus parce que je ne le retrouve plus au Game Cash, en tout cas là où il y a mon code. Donc voilà, c'est Switcher 3. Mon PC n'est pas capable de faire tourner ça, alors avec Frappe, je sais, il y a autre chose, il y a Action et tout, mais j'ai pas envie de trop chipoter avec ça. Donc Witcher 3, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de jouer. Par contre, il faut beaucoup le temps et vu que je ne suis pas souvent ici, j'en profite que je suis en vacances pour pas pour vous faire plein de petits trous sur Xbox One et très peu sur PS4 parce que la PS4 va venir avec mon code et la PS3 vu que j'ai pas de câble, ça ne sert à rien. Donc je vous ai juste fait montrer un Zero Dawn 1886. À mon avis, vous ne reverrez plus de play trous PS4 ici un moment parce que là, je suis en train de faire plein de play trous et à mon avis, après, je vais faire 2 semaines de pause parce que vous aurez assez de vidéos pour voir dans 2 semaines. Donc, voilà. Evil Within, il était là. Call of Duty Advanced Warfare, les cinématiques sont bons. Le multi est bizarre parce que tu sautes un petit peu partout. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un Call of? À savoir. Mais c'est vrai qu'il est quand même bon. Donc, je m'en souviens plus quand je l'avais joué et mes réflexions. Quand je l'avais joué. Putain, j'ai un code. Je l'ai pas utilisé, putain. Et putain, en plus, j'ai. Les DLC, comme quoi on en apprend quand on n'ouvre jamais les notices. Call of Duty Advanced Warfare édition 0. Day jour 0. Rise Son of Rome, bon. On critique Zero Dawn 1886, on critique Until Dawn, on dit Until Dawn c'est un bon jeu, on dit que Zero Dawn 1886 est un bon jeu, mais Rise Son of Rome est un excellent jeu. Oui, le gameplay est pauvre, oui, mais bon, quand le prix est vraiment réduit, c'est un jeu qu'il faut posséder absolument. Comme The Order, comme Until Dawn, des jeux, quand ils descendent vraiment de prix, il faut tout de suite les acheter parce que vous ne reverrez plus ces jeux-là. C'est vrai que sur notre forum, on le voit beaucoup, malheureusement, dont il décode beaucoup. On le voit beaucoup, pourtant beaucoup n'achètent pas. Donc, il va vite descendre en dessous. Je peux en acheter 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment un jeu qu'il faut posséder. Faut posséder. Là, j'ai un code, pourquoi? C'est un code pourquoi? Je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Très bon jeu, je l'ai terminé, mais hors caméra, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. C'est un sort de. En fait, des sortes de GTA-like, parce qu'on peut appeler que Dead Rising 3, vu que c'est un monde semi-ouvert. Ouvert. En fait, j'hésitais à vous le montrer en caméra et de le faire dans mon coin. Je l'ai fait dans mon coin. Peut-être que je le referai avec vous. C'est un excellent jeu. Je l'ai fait avec mon frère. C'est un excellent jeu. Si c'est un jeu à avoir sur PS Xbox One, c'est celui-là. Avec Halo Collection. Rise. Très bon jeu. Donc voilà. J'en ai quand même la plainte. Assassin's Creed Unity. Comparé à sa sœur sur PS4. Assassin's Creed sur Xbox One n'était pas vraiment très. Si, c'était comme un buggé, mais sur Xbox One, il n'était pas vraiment buggé. Et voilà, c'est un avantage qu'il y a avec Xbox One. Donc voilà. Et en plus, vu que c'était une occasion et que je l'ai eu après, ça garde en mémoire que c'était un jeu qui. C'était pas les premières versions du jeu. Putain, mais, en fait, j'ai des codes. Ah, vu que c'est le cas, peut-être qu'il les a utilisés. Vu que c'est un truc d'occasion, en fait, il m'a donné le DLC qu'il t'offrait. Ubisoft offrait un DLC gratuit pour ceux qui avaient acheté Assassin's Creed avant qu'il y ait eu
La contestation pour les bugs d'Assassin's Creed Unity. Voilà. Je l'ai essayé un peu, je ne l'ai pas fait tout. Assassin's Creed, je l'ai vu sur PS4, mais je me dis, est-ce que je vais l'acheter ou pas sur PS4? Ne sais pas, parce qu'il est, à part se balader à Paris, pas grand-chose de. Tu veux syndiquer sur la même chose de neuf à faire. À voir. À voir. Celui-là, je l'ai fini. Vite fait. Murderer, Soul Suspect. C'est sûr. Les sorcières de Salem. Je ne peux pas vous expliquer en 2 phrases à quoi ça se rapporte. Soul Suspect, c'est une histoire par rapport à une histoire qui s'est vraiment déroulée au jugement des sorcières à Salem, aux États-Unis. C'est un jeu un petit peu d'enquête. En fait, vous regardez un petit peu mon playthrough, vous mettez une vidéo au hasard, surtout vers la fin, vous comprendrez un petit peu le gameplay, à quoi ça ressemble. Je trouve entre pauvre et. Comment dire? Il essaie de faire des choses nouvelles. Enfin bon. C'est un jeu à tester une fois, mais. En fait, l'histoire est tellement banale. Et enfin, quand t'as compris dès le départ un truc, parce que je m'en doute un petit peu, la fin, pour pas vous spoiler, quand tu comprends un truc au début, tu te spoiles la fin, et vu que l'histoire est quand même assez longue, et des fois tu speedrun le jeu, c'est assez chiant. Donc voilà. C'est pas un très bon, c'est pas un mauvais jeu, mais on s'ennuie vite. Batman Arkham Knight sur Xbox One, je l'ai pas encore fini à l'heure où je vous parle. En fait, je ne suis même pas encore à la moitié du truc. C'est un truc que j'aime bien faire dans mon coin, donc voilà. Batman Arkham Knight, j'ai rien d'autre à dire. Donc j'ai pas encore fini. Donc voilà. C'est un cadeau pour. Ok. C'est un cadeau de mon frère Skylander Superchargeur. C'était pour Noël, je l'avais fait ça pour Noël. Les Skylander, bon, ils sont pas là. Pour ceux qui avaient un chien qui grattait. Enfin bon, bref. Les Skylanders Superchargeurs, c'est un très grand jeu. Non, ouais, bon, c'est un truc qu'à tester. Mais rien de plus. Et fait qu'il coûte assez cher. Disney Infinite, Skylanders, achetez-les pour vos frères et petites sœurs. Lego Dimensions, n'achetez pas. Quand j'ai vu 100 euros. J'ai vu 100 euros. Puis après, les toutes les figurines à coûter, mais des trucs de dingue. Et en plus, qui ne servent à quasiment à rien. Je regarde dans Disney Infinity, celui-là. Ils ne servent quasiment à rien non plus. Donc, voilà. En fait, bon, à mon avis, j'ai laissé une télé ouverte et ça fait du bruit. Ok. Forza 5, c'est mon frère qui joue, je ne peux pas vous le dire, mais c'est des beaux graphismes. C'est vrai qu'il y a les microtransactions qui cassent toute l'ambiance. Donc ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne joue pas vraiment. Forza 5 sur Xbox One. C'est une sur Xbox One. Bon, FIFA 15, on l'avait vu sur PS4 juste avant, ben, il est sur Xbox One. Mon frère qui était excité, moi j'ai été désexcité en voyant Star Wars Battlefront 3. Mais c'est Battlefront. Et quand. Il fait l'affront de s'appeler Battlefront et on peut faire la confusion avec Battlefront 1. À part les graphismes, Battlefront 1 est une meilleure ambiance, un meilleur gameplay que celui-là. Mais les graphismes, c'est vrai qu'ils en claquent un peu, c'est ça qui sauve un peu. Sinon, l'ambiance est bien, mais les cartes, les modes de jeu sont assez pauvres et c'est ça qui tue le jeu. Donc voilà, et le dernier jeu, c'était un jeu qui était avec la console, c'était Minecraft Edition Xbox One. Je l'avais testé, mon frère, on ne va plus jamais y jouer.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mise à jour encore celle-là dans le... Et voilà, c'est Minecraft, hein, quand tu es testé sur une plateforme, ça ressemble un petit peu partout. Hein. Voilà, et vu que j'ai sur. Non, je vais dire PS Vita. Mais ça existe là, sur PS Vita. Que c'est. Quand tu vois que toutes les versions, comme ça, voilà, la même version, je veux dire, avec les mêmes items, c'est vrai que ça casse un petit peu l'ambiance. C'était le journal de bord sur l'édition. Sur ma collection Xbox One, salut à tous.